Rentre à la maison, j'ai fini ma journée et tout, et j'étais posée, tranquille et tout. Et puis j'avais envie de faire un peu de shopping en ligne, parce que du coup, moi, ça me saoule d'aller dans les magasins et tout. Enfin, ça dépend. Quand j'ai vraiment envie d'essayer, j'y vais. Quand j'ai pas envie d'essayer, j'y vais pas. Et je préfère commander en ligne. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être un bon plan pour toutes les shoppeuses comme moi, pour toutes les personnes qui adorent commander du luxe à bas prix. Et à partir de chez eux, bah écoutez, j'ai un bon site internet pour vous qui s'appelle Albert Albert. Donc je vous explique, c'est Albert Albert Luxe. Pourquoi moins cher? Parce que c'est des déstockages. C'est genre des genres de déstockage outlet en fait. Un peu comme la Vallée Village, sauf que là, c'est un site internet. Et vous avez carrément même genre des collections antérieures. Donc si par exemple, je sais pas, moi, vous n'avez pas pu acheter un pull, un t-shirt ou une combi ou je ne sais quoi, un sac ou quelque chose. Et que c'est des anciennes collections, bah vous pouvez le retrouver. Montre, vous avez bah, plein d'options. Ok, regardez, ça c'est les collections d'avant. Vous avez les nouvelles collections aussi. Voilà. Vous avez plein de trucs. Et en fait, vous pouvez directement commander via WhatsApp, donc c'est trop bien. Regardez, vous avez pour hommes, pour femmes. Hommes, femmes, accessoires, chaussures. Vous avez carrément même les marques. Ça vous aide comme ça à savoir ce que vous voulez et tout. C'est trop bien. Moi, j'aime bien aller chez les hommes. J'aime bien prendre des trucs un peu masculins. J'adore. J'aime trop. Ouais, en fait, tu peux trouver vraiment des pépites à bas prix. C'est trop bien. C'est trop bien. Moi, je l'ai toujours dit, les gars. Une belle tenue, c'est quoi? C'est des belles pièces. OK? Ça veut dire qu'en fait, il suffit que tu achètes une belle pièce et ta tenue, elle est déjà faite. T'as juste à raccommoder un peu d'ici de là, bam bam et tout, juste avoir un peu. Raccommoder un peu d'ici de là, bam bam et tout, juste avoir un peu de goût, quoi. Et franchement, j'aime bien ce qu'ils proposent. Je vais faire mon shopping, clairement. Parce qu'il y a quelques trucs qui sont pas mal. J'aime beaucoup. Faut l'ajouter sur Snap, les gars. Parce que lui, sur Snap, genre, il vous montre tout le temps les nouveautés. Et puis, je vais vous mettre aussi son numéro de téléphone et son Instagram. Comme ça, n'hésitez pas à lui envoyer un message si par exemple vous avez une question ou quoi. Ou même si vous avez un modèle que vous recherchez, vous pouvez lui envoyer. Peut-être qu'il l'a et qu'il ne l'a pas exposé. Ou alors peut-être qu'il peut l'avoir. Pas envie de me lever. Ouf, mais bon. Après, ça va. Aujourd'hui, j'ai pas d'obligation. J'ai pas de rendez-vous. Mais j'ai décidé de faire un grand ménage chez moi. Et quand je dis un grand ménage, c'est tout. C'est ménage, tri, tri de vêtements aussi. Je vous ai promis que j'allais vous faire un Vinted. Donc du coup là aujourd'hui je vais trier tous mes vêtements. Je vais aussi jeter des choses parce que j'ai des choses dans mon appartement. Je sais même pas pourquoi ils sont là. Il faut que je les jette. D'habitude ça je le fais avec ma femme de ménage. Parce que oui, alors oui deux fois, des fois elle vient de temps en temps, une fois par semaine. Mais quand elle fait le ménage, je l'aide. Je l'aide à faire les trucs et tout. Je la laisse pas faire les choses. Je la laisse pas faire les choses seule parce que, pas parce que je veux pas, c'est juste parce que ça prend trop de temps et que c'est du travail. Et que du coup, si je peux aider, bah j'aide quoi. Je sais pas, j'aime pas rester chez moi et l'avoir travaillé comme ça. Si je vivais dans une grande maison par exemple, et genre j'avais plusieurs pièces, ouais, c'est plus facile de te dire, bon bah ok, d'accord, je la vois pas, et toi tu fais le ménage dans une autre pièce, tu vois, pendant que elle est en train de finir l'autre. Mais là, je suis dans un appartement. Ça me fait mal au cœur de l'avoir travaillé seule, donc et même genre j'aime faire le ménage, moi de base je mets de la musique et tout, je me chauffe. Et bref, donc ouais, donc là j'ai décidé de le faire toute seule parce qu'en plus du coup bah je monte à Paris soit le 24 soit le 25, je sais pas encore, je me tâte parce que là j'ai regardé les billets de train avec les grèves et tout, c'est catastrophique. Tous les trains sont presque soit complets, soit supprimés. Donc, par contre, je comprends. Alors, je comprends le mood des grèves. Je comprends pourquoi tu fais la grève. Je peux comprendre. Genre, tu sais,
je peux, tu vois, je peux comprendre le mouvement. Mais il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent. Et... Bon, allez, c'est parti. J'ai décidé de me lever de mon lit. Mais si je suis restée jusqu'à maintenant dans mon lit, c'est parce que j'ai mon meilleur ami qui m'a appelée. J'ai eu des appels entre-temps qu'il a fallu que je règle, très important. Et du coup, bah, là, je vais m'y mettre. Voilà. Rien que de penser à tout ça, ça me... Ouh! Mais vous savez ce que je vais faire? Je vais pas y penser. Je vais mettre un t-shirt que je ne mets plus du tout. Avec un pantalon que je ne mets plus du tout. Je vais tout enlever, tout nettoyer, tout remettre. Enfin, du moins tout remettre, ce que je veux remettre. J'ai la coupe idéale pour le ménage. C'est... Voilà. Là, ça fait le droit.